Ce que vous ignorez sur MrBeast, le youtubeur le plus suivi au monde. MrBeast vient de devenir le youtubeur le plus suivi au monde, avec tenez-vous bien plus de 269 millions d'abonnés sur la plateforme. Il dépasse ainsi le vidéaste PewDiePie et le label de pop indienne T-Series. Sa fortune, son parcours, ses polémiques. On vous dit tout sur lui. De son vrai nom Jimmy Donaldson, MrBeast a commencé sa carrière sur YouTube en 2012, à l'âge de 13 ans seulement. Obsédé par le fait de réussir dans ce domaine, il est resté enfermé dans sa chambre pendant des années, quitte à mettre ses relations personnelles de côté. Tout ça dans le seul et unique but de cerner l'algorithme de la plateforme pour réaliser son rêve, percer. Ce n'est finalement qu'en 2017 qu'il est parvenu à faire parler de lui avec sa vidéo « Je compte jusqu'à 10 000 », qui lui a pris plus de 40 heures. C'est alors le début d'un succès totalement fou pour le jeune homme, qui deviendra quelques années plus tard le maître absolu de YouTube. Aujourd'hui, MrBeast est célèbre pour ses vidéos dans lesquelles il organise des jeux, se lance des défis, fait des bonnes actions et distribue des millions et des millions de dollars à sa communauté ou bien tout simplement à des gens dans la rue. Sur sa chaîne principale, on peut le voir se faire enterrer vivant dans un cercueil en verre pendant plus de 50 heures. Offrir une Tesla à un abonné à l'occasion de son anniversaire. Faire une reconstruction grandeur nature de l'île de Squid Game pour une compétition avec 500 000 dollars à la clé. Organiser un cache-cache géant. Tenter de ne rien manger pendant 30 jours. Ou encore, redonner la vue à des personnes aveugles. Le youtubeur ne se limite d'ailleurs pas qu'aux vidéos, il a construit tout un empire qui lui rapporte aujourd'hui un paquet d'argent. Il a par exemple lancé sa propre marque de restauration, MrBeast Burger, a créé son application mobile, Finger on the App, sa marque de barres chocolatées, mais aussi de nombreux produits dérivés. Celui qui serait désormais à la tête de plus de 60 employés aurait gagné pas moins de 54 millions de dollars avec ses vidéos rien que l'année 2023 et aurait une fortune personnelle avoisinant les 500 millions de dollars. Ces différentes entreprises seraient tout par ailleurs valorisées à plus d'1,4 milliard de dollars. Pour la petite anecdote, on lui a aussi proposé de racheter sa chaîne YouTube pour plus d'un milliard de dollars, ce qu'il a immédiatement refusé, car elle en vaut selon lui entre 10 et 20 milliards. Bien qu'il soit devenu extrêmement riche, il a raconté qu'il n'aimait pas dépenser son argent bêtement dans du matériel. MrBeast a dit qu'il préférait se servir de sa fortune pour aider les gens et réinvestir dans ses business, notamment pour proposer des vidéos toujours plus sensationnelles. Si beaucoup ont salué ses défis fous et sa générosité, certains ont cependant accusé MrBeast de mettre en scène ses bonnes actions uniquement dans le but de faire du buzz. Que ce soit en bien ou en mal, une chose est sûre, il ne laisse absolument personne indifférent.